Non. Non, ça va, le pont est solide. Maintenant, je fais les chants. Yes! J'espère que vous allez bien. C'est ça, jour 2. Yes. Jour 2 à Madagascar. Donc là, ce matin, on s'est réveillé tranquillement. On a pris notre petit déj. Et là, on est dans un parc. On va voir les lémuriens dans un petit parc qui était pas loin du lodge. C'est donc, ça. Trop cool. On est toujours à Andasibe. C'est ça, c'est un grand parc. Vraiment, on entend les bruits des animaux là, rien qu'ici. Ouais. Mais voilà, on va découvrir un peu tout ça, voir un peu le parc et tout, donc il y a des beaux paysages et tout, ça va être pas mal. C'est une bonne journée qui s'annonce les gars, j'espère que vous allez kiffer comme nous. On sait pas ce qu'on fait, on suit Zou. Ouais, mais... on suit Zou, là en ce moment on suit Zou et puis c'est tout quoi. Ouais. Mais c'est cool de se laisser porter en fait. C'est ça, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude ouais, de faire et là... c'est nous-mêmes qui organisons là. Ouais. C'est ça, bah, franchement merci Isama Africain, on le redit encore les gars, c'est grâce à eux qu'ils nous permettent de faire ce petit circuit et vraiment d'apprendre à découvrir la culture malgache, les beaux paysages, tout ça. Hier le lodge était vraiment incroyable. Ouais. On a bien dormi. Bon, on a bien dormi. Il faisait un peu frais, on a dû mettre le chauffage et tout. Mais voilà, c'était cool. Ouais. C'est parti ? Parti. Let's go. J'ai parlé avec un lémurien. Les bruits des lémuriens. Il y a même plus de chemin. On entend grave le bruit des lémuriens, ils font du bruit de ouf. On est en pleine savane, on galère. On est en mode local. En mode local, c'est qu'on arrive. C'était cool. Ouais, c'était sympa. Hein. On a vu plein. Plein de petits lémuriens. Il y en a même un qui a fait pipi. Alors, on a speedé sur la route pour être à l'heure et prendre le bateau de 14h. Donc apparemment, on va prendre ce petit bateau et on va aller quelque part, et on va dormir quelque part. Et voilà. On va traverser le lac. Voilà, on va traverser un lac et on va dormir de nuit là où on arrive. Tu sais où c'est ? Les noms ici sont compliqués à retenir. Je retiens pas les noms ici. Cher. À dans 2 jours, Zou. À dans 2 jours, Zou. Ah ouais. À moi. Oui. Pas tombé. Oui. T'as mort. Merci. T'as son latin. Tata, Zou. C'est parti pour la destination mystère. Ici on est à le Mambato. Mambato. Manambato. C'est ça ? Ah. Ah voilà. Tu vois ? Le guide il a dit c'est ça. Il a dit oui. Donc c'est ça. Manambato et on va où ? En Kanenu. Kanenu Palmarium. 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 C'est un lodge ou c'est un hôtel, je sais pas. On sait rien les gars. On dort dehors.
Alors, vu d'ici, c'est incroyable les gars, je crois qu'on a atterri au paradis. Franchement, c'est magnifique. C'est juste magnifique. On a fait 1h05 de bateau. On avait plein de paysages, il y avait plein de villages et tout. C'était un peu en mode Amazonie et tout. C'était vraiment très, très cool. Trop joli. Trop joli. Et en fait, au bout de 1 heure, on arrive dans un coin, mais genre hyper excité. C'est trop beau les gars, parce que c'est pas une plage de sable blanc étendue. Mais c'est un truc beaucoup plus intimiste, c'est incroyable. C'est calme, c'est très calme. Venez, je vous montre. Franchement, c'est les paysages de ouf. On vous montre parce que vraiment, c'est juste incroyable. Venez c'est... avec nous, venez. C'est bon. Ah, du jus. Oui. Ah, merci. C'est du jus de quoi? Ananas. Waouh. Wow. Ananas. Si, je vais aimer. Là, je vais aimer. Là, j'aime tout. Là, j'ai décidé que j'aimerais tout. C'est notre maison. C'est notre maison pour 2 jours. Deux dodos. Hé. Hey. Hein? Oh, il y a moyen de faire un putain de kiff, là. J'aime beaucoup. Oh, il y a 2 lits en plus. Il y a 2 lits. Chérie, il y a un lémurien qui vient de passer. Okay. Oh putain. Ils peuvent venir? Oui, il y a ce... Putain, il est... Mais ça va, ça fait rien, chérie. Il va pas sauter quand même. Je vois, il est prêt à sauter. Ils sont gentils, ils mordent. Non, Népal. Ils mordent pas? Oui. Ils sont gentils? Nice. Ah oui, il a peur aussi, hein. Je crois qu'il veut prendre l'appareil. Non, mais vous me laissez toute seule avec lui, je sais pas. Mais il est gentil? Pourquoi personne ne nice. Sweet. Ils sont barrés. Le pire, c'est qu'ils sont barrés. Ils sont barrés. Il faut savoir que genre, notre chambre est juste là. On a l'animal de compagnie. Au revoir. Ouais, il se barrait. Bon, après, il dirait faites attention, ils mordent ou un truc comme ça. Je sais pas, non. En fait, faudrait qu'il y ait un regard plus doux pour qu'on ait moins peur. Il y a un regard comme ça. Il se regarde comme ça. Il se ramène, hein. T'as envie de lui faire des câlins, mais t'as peur. Super. En plus, il y a la deuxième, je sais pas si c'est la femelle ou pas. Calme-toi, wesh. Calme-toi, wesh. Là, dans ton coin. Ah, bah attends. On s'enferme. On a peur. Du coup, les gars, vous pouvez voir notre chambre. Voilà notre chambre. Pour 2 dodos. On est vraiment dans la nature, genre il y a des lémuriens. Et là, c'est la salle de bain. C'est cool. On est trop contents. On est vraiment dans le local. On est en plein milieu de Madagascar, les gars. Il est encore là? Il est encore là. En fait, quand je me rapproche, il sent que j'ai peur. Les lémuriens, ils sont gentils? Je crois qu'il calcule pas. Non, c'est pas ça, il comprend pas le français, je pense. Il pense qu'il parle que malgache. Il m'a répondu dormir. Nice? Mais est-ce qu'ils sont nice? Touchés? Ah, à mordre? Ah! Ah non! Non mordre? Gentil? Nice? Ah oui? Oui? Gentil? Pas dangereux? Dangerous? Gentil? Ok. Ok. Je suis pas sûr, mais. Je sais pas. Merci beaucoup. Ok. Bon, je vais demander à la. Bon, les gars, on est dans une situation où on est enfermé. On est enfermé avec des. On est enfermé avec des lémuriens autour de la. Du bungalow. On a peur des lémuriens, on ne peut plus sortir parce qu'ils vont devant la porte. On peut
peux sortir. Non, il faut lui demander s'ils sont gentils. Non, mais ça va, on s'installe et puis ça va aller. Et tu sais que là, c'est la journée, hein. Imagine la nuit. Là, il avait fait jour, hein. Comment on va faire, chérie, parce que là, pour l'instant, on est recroquevillé dans le bungalow. Bon. Bah, ben, voilà. Ça va être 48 heures. 48 heures enfermé dans la chambre. Non, ça va, on va se détendre. Comment aller ? On va se détendre. C'est bon, les Lémuriens sont partis, on a pu sortir de la chambre et on a pu aller au resto. Donc voici nos plats. Voilà, pour Andrew et pour moi. C'est un plat malgache, je crois. Alors ce n'est pas un plat malgache. Pourquoi ? Nous sommes dans un hôtel où ils ne prennent pas la carte et que le liquide. On a du liquide, mais on n'a pas assez pour les repas. On n'a pas assez de liquide. Du coup, le plat le moins cher, c'est des pâtes. Et on est obligé de manger des pâtes, sinon on n'aura pas assez de liquide en fait. Donc petite galère quoi. Petite galère, clairement. C'est de notre faute. Alors moi, en tant qu'homme mâle, en tant qu'homme alpha, il manque un peu de protéines. Parce que des pâtes, ça va deux minutes quoi. Pendant deux jours, on est obligé de manger que des pâtes, midi et soir. Pardon. Parce que vraiment, on s'est mal organisé, c'est de notre faute. On n'a pas assez de liquide, les gars. Donc là, on va manger des pâtes. Hein. Elles sont bonnes. Par contre, elles sont très très bonnes. Elles sont al dente, cuites, parfaitement. Très très bonnes. Donc moi, à la limite, j'ai pris des pâtes en fromage. Lui, il a pris des pâtes au beurre. C'était les moins chers que les pâtes au fromage. C'était moins cher. La dame à l'accueil est très gentille. On lui a dit, oui, mais on n'a pas assez d'argent et tout. Elle me dit, ah bah, ce sera le régime, hein. Ah, c'est moi qui ai dit. Elle s'en bat les couilles. Même elle nous dit, ouais, je vous fais une avance, un truc comme ça. Oui, ouais. Genre, je sais pas, comment on peut faire ? Je sais pas comment on peut faire. Ouais, vous faites un virement, je sais pas, à l'hôtel directement. Elle dit, ah bah ce sera un régime. Alors, mais tant pis pour vous. En tout cas, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était le jour 2 à Madagascar. On a kiffé, nous. On a vraiment kiffé. Juste la fin, c'était un peu dur. Trop de péripéties aujourd'hui. Franchement, on a kiffé de ouf. Ouais. En tout cas, bah, c'est une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui regardent cette vidéo. On vous fait de très très gros bisous. Turn up. Peace out. Avec des pâtes.